Écoutez, monsieur, c'était une analyse n'a fait et puis une mésinterprétation qui fait de lui, qui font tout le bâtiment dans le pays. C'est droit comme ce gouvernement pour le moment de plus de détails sur ça, je voulais dire. Et de fait, comme fait, je fais dans le cadre d'une première audition et puis je fais dans le cadre d'une deuxième audition. Aussi simple que ça. Mais le gouvernement va changer et je ne vais pas quitter le pays, je suis toujours là. Ça veut dire que je dois être fier, la justice est là. Bon, je souhaite que tout le monde la justice est là. Que même tout, ils fait face devant la justice. Je vous aime parce que je pouvais que tout ça qui a rapport avec le pays d'Haïti, je assumer et m'engager dans la bataille pour le pays changer. Le message pour tout fanatique, matin débat. Eh bien, matin débat, et jusqu'à présent, c'est la plus grande audience dans l'heure. On a parlé de près de 4 millions de monde à travers le monde entier. Et que je dis merci en pile à tous les fanatiques matin débat, tous les confrères, consoeurs de la presse. Et merci en pile à tous les avocats, M. Anel Rémy, M. Gentil, M. Stéphanie et cabinet expertus qui étaient campés avec nous pour être capable de permettre que nous fassions face donc, à la question et commissaire gouvernement. Vous espérez dans quelques minutes encore sur les zones là? Non, besoin de vacances parce que nous déjà pas de petites vacances. Et je pense que je pas de vacances pour me soucier un petit peu. Et parce que je n'oublie pas que ça qui a passé là, invitation de gros désir dans la justice toute la journée. Il porte préjudice quand même à famille, sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan économique, parce que chaque lobby dans le cabinet d'avocat, il faut payer. Donc, besoin de break. C'est-à-dire que moi, c'est que ça, même pour famille, pam, pour me capable d'assurer que yo reprend confiance dans le travail que m'a fait, dans le métier que m'a fait, besoin de petit temps pour me capable de permettre que yo même reprend confiance pour me continuer à travailler. Là, combien de temps tu as? On vacances. Monsieur le continue. Je vous dis à plusieurs reprises, que tu as relevé, soit dans le DCPJ ou bien dans le paquet de Port-au-Prince. Dis non, est-ce que vous pensez que c'est des persécutions? Bon, moi, je ne vais pas mettre dans le cadre politique. Je ne vais pas politique, c'est moi-même. Mais journaliste. Vous pensez que c'est des persécutions? Oui, justement. Mais seul bagage, c'est que vous avez progressé sous gouvernement. C'est ce journaliste qui a parlé dans la tour qui marchait plus. Que devant la justice. Je ne sais pas si on a un plan pour éliminer le coup de désir, si on a un laboratoire de ça. Même ça va importer moins. Ça va importer moins, c'est que j'ai même qui propre, j'ai conscience qui est tranquille, j'ai un cœur qui propre. Donc, j'ai 40 fois, j'ai 50 fois, okay. Et puis que j'ai un cœur propre, conscience qui est tranquille, je n'ai rien pour moi. Donc, à partir de ça, il reste à pas de bonnes choses. Il reste pas de faire un erreur, tout simplement, j'ai gagné. Et quand on a une émission d'affaires, une émission d'analyse, qui ne va pas finir avec l'analyse là. Puis, mon interprète, Samdabzia, il faut qu'on t'y boucle dans une émission de 5h48 minutes. Et puis, c'est un petit bout qui dure seulement une minute qui reprend. Donc, écoutez, le commissaire du gouvernement, donc, a fait son travail. Là, monsieur le coup, le dans un pile. Peut-être par rapport avec Jean qui va le faire à l'analyse. Vous pouvez faire une la justice. Donc, peut-être par rapport avec Jean qui va marcher là pendant ce temps. Non, pas grand gars, monsieur. Ok, laissez-moi dire. Nous voyons, je dis, où sont les anciens? Donc, je dis, est-ce que vous estimez. Est-ce que vous estimez que c'est une façon que y a fait pour être suspendu et dire ça qui a rapport avec l'information? Comment ça? Écoutez, moi, je vais vous dire, c'est que seul journaliste qui marche autant de prix de poids devant la justice depuis le gouvernement. Je vais vous dire ça. Parce qu'ils sont politiques. Parce que moi-même, mon désir, mon politicien, nous sommes journalistes, donc je fais travail à moi. Et nous sommes qui viennent même propre, comme propre, ça serait tranquille, pas gagner pour nous. Donc, depuis ce pas la question de gang, kidnapping, l'autre bagaille, donc pas gagner pour nous. Et ma parole là. Écoutez, monsieur, c'était une analyse d'affaires et puis. Une mésinterprétation qui fait de lui, qui font tout le bâtiment dans le pays. C'est droit comme ce gouvernement pour le moment de plus de détails sur ça, je voulais dire. Et de fait, comme fait. Je fais dans le cadre d'une première audition, et puis je fais dans le cadre d'une deuxième audition. Aussi simple que ça. Mais le gouvernement va changer et je ne vais pas quitter le pays, je suis toujours là. Ça veut dire que je dois être fier, la justice est là. Bon, je souhaite que tout le monde la justice est là, que même tout, fait face devant la justice. Je vous aime parce que je pouvais que. Et tout ça qui a rapport avec le pays d'Haïti, je assumer et m'engager dans la bataille pour le pays changer. Le message pour tout fanatique, matin débat. Eh bien, matin débat,
et jusqu'à présent, c'est la plus grande audience dans l'heure. On a parlé de près de 4 millions de monde et à travers le monde entier. Et que je dis merci en pile à toutes les fanatiques Matin Débat, toutes les confrères, consoeurs de la presse. Et merci en pile à tous les avocats, Métanel Rémy, Maître Gentil, Maître Stéphanie et cabinet Expertus qui étaient campés avec nous. Pour être capable de permettre que nous fassions face donc, à la question et commissaire gouvernement. Vous espérez dans quelques minutes encore et sur les zones là? Non, besoin de vacances parce que nous avons déjà pas de vacances. Et je pense que je n'ai pas de vacances pour me ressourcer un petit peu. Et parce que je ne sais pas que ça qui a passé là, invitation de Godésir dans la justice toute la journée, il porte préjudice quand même à eux, à la famille, sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan économique, parce que chaque fois dans le cabinet d'avocat, il faut payer. Donc, maison petit break. C'est-à-dire que moi, c'est que ça, même pour la famille, pour être capable d'assurer que je reprends confiance dans le travail que je fais, dans le métier que je fais, besoin de petit temps pour être capable de permettre que je reprends confiance pour continuer à travailler. Vous avez combien de temps? On vacances, on vacances, on vacances, on vacances, on vacances. Monsieur le Coutine. Je dis à la à plusieurs reprises et que t'as relé une soir dans des séjours bien dans paquet de Port-au-Prince. Dis non, est-ce que vous pensez que c'est à des persécutions? Bon, moi pas mal mettre la carte politique, je suis un politicien moi-même, journaliste. Oui, justement, mais seul bagage c'est que vous apprenez que c'est sous gouvernement ça. C'est seul journaliste n'est pas parlé dans la radio qui marchait plus que devant la justice. T'aimes pas qu'on ait si bien. On prend pour éliminer le coup de zio, c'est bon laboratoire de ça. Même ça va important moi. Ça va important moi, c'est que j'ai même qui propre, j'ai conscience qui est tranquille, j'ai comme qui propre. Donc, j'ai même 40 fois, j'ai même 50 fois, et puis que j'ai comme propre, conscience qui est tranquille, j'ai gagné pour moi. Donc, à partir de ça, il reste à pas plein de bon tuer encore. Pas de faire un erreur, tout simplement, j'ai gagné un écart dans l'émission crime d'affaires, émission d'analyse. Qui m'a fini avec l'analyse là. Puis, mon interprète, ça m'a dit, il faut qu'on petit bout dans l'émission de 5h48 minutes. Et puis, c'est un petit bout qui dure seulement une minute qui reprend. Donc, écoutez, le commissaire du gouvernement, donc, a fait son travail. Là, monsieur le coup, oui, dans rien, puis. Oui, dans le peut-être par rapport avec Jean qui va le faire analyse. Oui, il faut aller dans la justice. Donc, peut-être par rapport avec Jean qui va marcher là pendant. Non, pas grand chose, monsieur. Ok, laisse en ville. Je veux dire, où sont les anciens? Donc, je veux dire, est-ce que vous estimez. Dans la presse là, donc, est-ce que vous estimez que c'est une façon que y a fait pour être suspendu et dire ça qui a rapport avec l'information? Comment ça? Écoutez, moi, je vais vous dire, c'est que c'est le seul journaliste qui marche autant de pas devant la justice depuis le gouvernement. Persécution politique, parce que moi-même, je désire, mon politicien, je suis un journaliste, donc je fais travail à moi. Et nous sommes qui gagnent le même propre, que nous propre, comme ça se fait tranquille, pas gagner un bonheur. Donc, depuis c'est pas la question de gang, kidnapping, l'autre bagaille, donc pas gagner un bonheur. Et ma parole là. Bienvenue à